Il y a des moments dans une vie où l'appel ne peut être ignoré. Alors on se lève, on prépare son bagage et on se dirige d'un pied ferme vers cette destination que tous rêvent un jour, l'aventure. Nous informons les voyageurs à destination de l'aventure que le train de 13h52 vient d'être supprimé suite à l'absence de la locomotive et à la panne d'un conducteur. Par contre, nous avons les aventuriers du rail disponibles en gare. Eh ben, bienvenue à ce quiz spécial pour les aventuriers du rail. Merci. Donc, pour la vidéo éponyme. Donc, le principe est simple, hein, c'est un petit plus, on va dire, pour les gens qui connaissent déjà le jeu. Et donc, il y aura trois quiz que l'on va disséminer à travers la vidéo. Généralement, il n'y a toujours qu'une seule bonne réponse. Chaque réponse vaut un point. Il y a peut-être pour un quiz où je vous mettrai une petite règle additionnelle pour gagner encore plus de points si vous le souhaitez. Pour les gens qui nous regardent, je vous invite à mettre votre score en commentaire. Et par contre, pour vous, Thomas et Julien, eh ben, il y a un petit gage pour celui qui aura le moins de points. Ça me plaît. On verra peut-être à la fin. Et pas pour ceux qui commentent. Ah bah, histoire de pimenter quand même un petit peu la partie, hein, à ce niveau-là. Alors on va commencer par le premier quiz, qui est le guichet d'information. Alors, c'est le principe en lui est simple, c'est un QCM, mais des questions qui vont être essentiellement centrées sur l'auteur et sur la première version des Aventuriers du Rail. Je sais déjà le nom de l'auteur, en tout cas. Bien. Ah oui. Qui est Alan R. Moon, mince, c'est pas une question. Allez, un demi-point. Première question, justement. Avec quel éditeur Alan R. Moon a commencé sa carrière d'auteur? White Wind Incorporated, Parker Brothers, Avalon Hill ou Days of Wonder? Forcément, là, c'est déjà... Ah, je vous l'ai dit, le premier QCM, c'est un peu pointu. Ouais. Comment on fonctionne? On dit dès qu'on a une réponse ou on se met d'accord à deux quand on a tous les deux une réponse en tête? Comme vous voulez. On va savoir si vous voulez jouer le gage ou pas. C'est ouais, ça. Ok, moi aussi. Allez, moi je dis à deux. Ah, mais j'allais Parker Brothers. J'allais dire Parker Brothers aussi. Les deux Parker Brothers. Deux mauvais. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Le premier, c'était Avalon Hill. Où il publie son premier jeu qui est Black Spy en 81. White Wind, ça c'est assez intéressant, c'était la société d'édition qu'il avait lui-même fondée et qu'il a dû ensuite malheureusement liquider en 96. Il travailla quand même sur Parker Brothers, mais chose assez amusante, pas sur du jeu de société, mais sur du jeu vidéo, pendant l'année 83. De mon souvenir, je me demande même si ce n'était pas des adaptations en jeu vidéo de jeux de société, mais ça sera à vérifier. Et enfin, bien sûr, Days of Wonder, que l'on salue, c'est l'éditeur de la série Les Aventuriers du Rail. Alors... Je me doutais que c'était un des derniers et pas un des premiers. Bon, j'ai quand même essayé de mélanger un peu les réponses, hein, donc faites gaffe. Alors, 0-0 partout. Deuxième question. Avec quel jeu Alan R. Moon a gagné son premier Speed des Sierras? J'espère que je le prononce pas trop mal. Les Aventuriers du Rail, simplement. San Marco, Elfenland et Union Pacific. Alors, à savoir que tous ces jeux sont des jeux de Moon. Vous avez une idée? Allez, moi aussi. Allez-y. Moi, j'ai le premier. Je dis que c'est un piège et que cette fois-ci, on est quand même sur une vidéo des Aventuriers du Rail. Ce serait les Aventuriers du Rail. Et toi, tu penses que c'est plutôt San Marco? Oui, c'est ça. Ouais, moi, San Marco. Eh ben, j'ai l'honneur de vous dire que vous avez tous les deux faux. <C'est>... Il s'agit d'Elfenland, qui remporta le Spiel des Sierras en 88. Ça a été son premier. Je ne l'ai pas essayé.
Apparemment, il est sur BGA, donc faudra peut-être qu'on essaye un de ces quatre. Les Aventuriers du Rail, bien sûr, Gania de Spiel des Jahres, mais lui, en 2004. Quant à San Marco et Union Pacific, ils ont juste été nommés. Ils n'ont pas remporté le prix. C'était bien plus tôt. Oui, mais non, mais il était nommé, oui, pas gagné de Spiel. Ouais. Je trouve que j'ai un demi-point et toi, t'as zéro. Bon, non, j'ai un demi-point. On va dire un demi-point pour vous deux. Hein. Voilà. Bon, si on a un gage tous les deux, ça va être pitoyable. Ah, ça va être magnifique, au contraire. Mais bon, je vous dis rien encore. Quel était le surnom du prototype pour les aventuriers du rail ? Ticket to Ride, Station to Station, Russian Railroads ou Mugen Train ? Et tiens, il y en a, tu as inventé toi-même ou non ? Alors, il y en a qui existent, mais qui n'ont pas de rapport avec le jeu. Et ok. Et je suis très content d'avoir trouvé cette image qui montre le prototype tout en cachant le titre. Hein. Je tiens à le souligner. Première idée, ok. C'est bon, je vais. Moi, si je dis 3. Je dis 2. Mais j'aurais dit 2, mais je pense que c'est bien Lucien Hall. Alors, attends. Julien, tu me dis ? Station to Station. Et Thomas ? Russian Railroad. Je pense que c'est, tu vois, c'est trop précis. C'est Julien qui a le point. Tu as déjà ton premier avis. Ah ! Station to Station, c'était effectivement Station to Station. Ticket to Ride, c'est le nom final en anglais du jeu. Russian Railroads est un jeu de société, mais qui n'a rien à voir. Oh, et Mugen Train, c'est une référence à un manga assez connu en ce moment. Oui, Demon Slayer. Donc on est à 1,5 point pour Julien et juste 0,5 pour Thomas. Allez, 1-0, on va simplifier. Allez, 1-0. Vous voulez dire Station to Station, non, c'est trop simple. C'est vraiment le principe même, mais après, c'est un bon nom de projet. Bon, c'est un prototype, hein. Faut des noms très clairs au départ. C'est le marketing, après, qui vient avec des idées affriolantes. Oui. Allez, question suivante. Alors, combien de récompenses environ, j'ai mis des grosses parenthèses parce que les sources ne s'accordent pas entre elles, le jeu de base, donc la version USA, a-t-il reçu? Enfin, a-t-elle reçu ? Ouh là là, excusez-moi pour cette énorme faute d'accord. Donc, 12, 5, 3, 8 millions. Ah, je pense que c'est 8 millions. ok, je pense que... Okay. Je pense que ouais, c'est... Je dis la réponse 1, 12, ouais. Ouais, sinon il n'aurait pas mis autant. Les deux ? 2 aussi, ouais. Ça va être encore 5, l'autre que je voulais dire. Eh ben non, vous avez raison. C'est 12 récompenses, dont l'As d'Or et le Gianna Jones en 2005. Le 5, c'était parce qu'il y a eu 5 nominations dans d'autres compétitions. Le 3, c'était pour la version Europe, qui a eu 3 récompenses. Et les 8 millions, c'est bien sûr le nombre de copies vendues par Days of Wonder. Ah, à ce point-là. Oui, à ce point-là. Donc, j'ai déjà oublié le score de ce fait-là. On est à 2-0, c'est ça ? 2-1. Et 2-1 quand même. Et on marque des points. Oui. Ouais, c'est vrai, 2-1, c'est ça. Ah là, on est sur les questions déjà un petit peu plus simples. Avec combien de tokens train chacun des joueurs et joueuses commence la partie dans le jeu de base ? 144, 225, 5, 45. Chacun des joueurs. Donc un joueur a autant de trains. C'est ça. Si on commence une partie, combien de tokens wagon je te donne en fait pour toi pouvoir jouer ? J'ai une réponse aussi. Ok, réponse 4. 45. Et peut-être que le jeu de base, 45, toi, ouais. Jeu de base, 45. Tous les deux, 45 ? Ouais. C'est effectivement 45. Yes. 144, c'est le nombre de cartes dans la boîte. 225, c'est le nombre total de tokens. Et 5, c'est les 5 couleurs différentes pour pouvoir jouer au jeu. Et je crois que c'était la dernière question du premier quiz. Donc, le score actuel est donc de 3 à 2. Ouais. Voilà, allez, on va... On commence tout naturellement par Les Aventuriers du Rail, la version USA, la version de base, celle qui a été primée en 2005 à l'As d'Or. C'est un jeu que je pense tout le monde devrait avoir dans sa ludothèque, en tout cas tous ceux qui débutent devraient avoir dans sa ludothèque. C'est vraiment un incontournable, je pense, hein, pour débuter.
Et donc, comment ça va se passer? Eh bien, vous voyez qu'il y a des lignes de chemin de fer d'une certaine couleur. Et donc, le but, simplement, bah, c'est par exemple, s'il me faut 5 wagons orange, eh bien, je dois avoir 5 cartes wagons orange pour pouvoir construire cette ville et pouvoir comme ça relier, je vais vous prendre un exemple, Elena à Duluth, par exemple. À son tour de jeu, le joueur doit prendre des cartes wagons, soit celles qui sont visibles, soit en prendre au hasard, pour comme ça construire sa main avec plein de cartes wagons, plein de cartes de wagons de couleurs différentes, ou alors on peut jouer et comme ça placer ses wagons. Ou on a une troisième possibilité, c'est de prendre des missions. On commence le jeu avec 2 missions, et on peut en reprendre comme ça au fur et à mesure de la partie. Les missions, ça va être quoi? Ça va être simplement de relier une certaine ville à une autre. Voilà, aussi simple que ça. Petite astuce d'ailleurs, il faut vraiment pas hésiter, je pense, à reprendre des missions. Surtout si on a des missions avec des longs trajets, il faut, je pense, c'est bien de reprendre des missions pour pouvoir en refaire. Et alors, ce à quoi il va falloir faire attention dans les aventuriers du rail, c'est de ne pas trop se bloquer. Enfin, en tout cas, si, c'est de bloquer les autres, mais faire attention à ne pas être bloqué et à ne pas devoir faire des détours pour aller dans une certaine ville, parce que ben, si la route principale elle est déjà prise, pas par vos wagons à vous, pas par votre ligne ferroviaire à vous, ben, vous allez peut-être devoir faire un petit détour. Et donc, c'est embêtant, ça vous fait perdre du temps. Et voilà, ça peut vous faire perdre des points aussi. La partie prend fin dès qu'un joueur a fini et a placé tous ses wagons. Et à ce moment-là, on vient compter les points de victoire. On a des points de victoire pour les missions qu'on a réalisées. Et on va avoir des points de victoire pour les chemins qu'on a fait. Plus on a fait des grands chemins, des grandes lignes ferroviaires, je vais dire, plus on va avoir de points. Et en plus de ça, on peut avoir un bonus pour la plus grande ligne de chemin de fer sans discontinuité, et à ce moment-là on a aussi un bonus. Voilà, je pense que c'est à peu près les façons de gagner les points. C'est un jeu qui est relativement simple, qui joue en une demi-heure et qui est vraiment très très bien. C'est la base de la base, c'est les aventuriers du rail USA. Deuxième quiz, arriver en gare. Pour chaque gare présentée, dire si elle se trouve ou non dans l'un des jeux ou des extensions. Alors, vous allez voir, je vais vous donner le nom d'une gare ou d'une ville. Et d'avance, d'ailleurs, désolé pour la prononciation. Il va falloir me dire si elle existe dans l'une des versions du jeu ou non. Tout simplement. Un petit point supplémentaire si vous arrivez à me donner le pays dans lequel se trouve la ville, d'ailleurs. Ouf. Vous êtes prêts? Ouais. Dunedin. La gare de Dunedin. Ok, ok. Je dirais oui, je dirais non. Mais non. Moi, je dis oui. Et alors, où est-ce que ce serait cette gare? C'est Thomas qui a raison. Ah. Elle n'est pas dans le jeu. C'est une gare de Nouvelle-Zélande. Non, tu n'aurais pas dit la Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas le point bonus si elle n'y est pas. Ouais. C'est pas un concours de jeu. Et c'est l'une des gares les plus connues de par son architecture, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Elle est assez originale. Alors là, pour la prononciation, Rovaniemi, avec beaucoup de neige. Ok. Je dirais oui, toujours non. Même réponse pour vous deux ? Je dirais en Russie. Moi, je dirais non. 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 Et Julien, oui, et en Russie. C'est Julien qui a bon, sauf pour la Russie. C'est bien. C'est en Finlande. C'est une gare qui se trouve en Finlande et qui se trouve surtout dans la version Les Aventuriers du Rail Scandinavie. Ok. 4-3 pour Julien. Allez, on se décourage pas. Non. Alors, je sais jamais si on doit prononcer Rhodes ou Rhodes. Désolé. Je suis encore une fois désolé. Plus pour le pays, vous avez un indice énorme dans l'image, si vous regardez bien. Je dirais oui, et je dirais au Portugal. Alors, effectivement, oui, mais alors, pas le Portugal du tout. Ça sonnait mince. Eh oui, mais il y avait une pancarte SNCF devant la gare, en fait. Et c'est... Et ok, SNCF, j'ai pas fait gaffe. J'avais vu du rouge et du vert dans le fond. Et voilà. Et donc, on le trouve dans la carte de la France, justement.
5-5 quand même. Ça va commencer à être serré là. Ushuaia Station. Ok. Steven, oui. Le point va pour Julien. Ah, yes. N'importe quoi. Elle n'est pas dans une version du jeu. C'est une gare qui se trouve en Argentine. Et alors, c'est assez intéressant parce que elle est surnommée, comme on le voit en espagnol sur le côté, la gare de la fin du monde. Parce que c'est la gare qui se trouve le plus au sud de la planète. C'est marrant. Sauf que non, parce que j'ai pas le point. Alors là, on n'avait pas d'excuses. Liège-Guillemin. Est-ce qu'elle est dans le jeu ou pas? Et on dit Liège-Guillemin. Liège-Guillemin, voilà, là, tout le monde, je vais même faire fusiller en commentaire, hein, le pauvre français. Faut te faire aller. Hein. Par contre, nous, on va se faire fusiller parce qu'on ne sait pas du tout. Ok, j'ai réponse. Je dirais non. Non pour les deux. Eh bien, vous avez raison. Elle n'est pas du tout dans les jeux, dans l'un des jeux. C'est très dommage. S'il vous plaît, Days of Wonder et Asmodée, il nous faut une version belge officielle. Et par contre, ce qui est très amusant, c'est que dans le premier film, Les Gardiens de la Galaxie, dans l'un des décors, on peut trouver la gare. C'était le design de la gare s'est repris. Attention. Et enfin, la dernière, ma préférée, les toilettes. Il y a un piège dans celui-là, attention. Okay. J'ai envie de oui, moi aussi. Vous avez raison. Ah oui, c'est juste. Oui, je t'ai dit, c'est une extension dont on a parlé. C'est ça que j'ai pensé, là. Moi, c'est à la maison. C'était effectivement l'extension qu'ils avaient sortie, si mes souvenirs sont bons, en print and play durant la première pandémie. Le premier confinement. Et bah bravo, on en est où au score là? 6-5. En tout cas, t'as un point d'avance, mais c'est 7-6, je pense. Je pense que c'était 7-6. Ouais. Parlons maintenant des Aventuriers du Rail Europe. Alors c'est vraiment le cousin des Aventuriers du Rail USA, mais le cousin européen, vu qu'ici on travaille sur les chemins de fer européens. Le concept est littéralement le même, il y a juste quelques nouveautés très intéressantes qui sont ajoutées et qui viennent un peu plus pimenter le jeu. On est toujours dans un jeu familial idéal pour débuter les ludothèques et dont les deux particularités ajoutées sont les gares. Ce sont des bonus, en fait on en a trois. À tout le monde la partie, au lieu de faire une action de poser des trains, on peut placer une gare dans une des villes. Ça va nous permettre ainsi d'utiliser un chemin créé par les trains d'un adversaire. Et oui, ça peut bien nous aider quand on est embêté, par exemple pour finir un trajet entre deux villes. Mince, il nous manque juste vraiment la jonction entre les deux dernières villes, et ben ouf, la gare peut nous sauver, et ceci à trois reprises. Par contre, à la fin de la partie, vous marquez 4 points par gare restante, donc effectivement il vaut mieux essayer de ne pas les utiliser. L'autre particularité sont les tunnels qui sont maintenant présents. On les voit parce qu'ils sont entourés en gras cette fois-ci, et quand on va créer un chemin qui relie deux villes par un tunnel, eh bien, un joueur va tirer le même nombre de cartes que la longueur du chemin et par couleur identique à la couleur du chemin, je vais dire, bien, vous devez rajouter autant de cartes. Donc, il faut faire attention d'avoir une réserve en main ou alors, si on est joueur, on peut tenter au hasard, mais ça peut faire un peu mal. Voilà, c'est tout pour les nouveautés des Aventuriers du Rail. La carte, je pense, est aussi un peu plus grande que les USA, quoique je ne suis pas sûr. En tout cas, elle est différente, elle a vraiment une structure différente, évidemment, vu que là, on est en Europe. Et donc, c'est vraiment le même principe avec ces deux nouveautés. Et donc, très intéressant pour les collectionneurs, et aussi pour ceux qui ont rajouté un peu de piment. Quiz numéro 3 et le dernier, l'aiguillage. Alors celui-là, j'ai beaucoup aimé le faire. Vous allez vite voir pourquoi. Et il est assez intéressant. Je vais vous faire des propositions de versions du jeu des Aventuriers du Rail. Vous allez vite, très vite comprendre. Ça peut être par rapport à un thème, à une ville ou alors à une mécanique de jeu qui existe. Il va falloir me dire si cette proposition 1 existe de manière officielle, 2 existe mais fait par des fans, ou 3 n'existe tout simplement pas pour le moment. Ça marche? Ok. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Une version Alice au pays des merveilles. Ok. Je dis fait par des fans. Vous avez
tous les deux raison. En fait, c'est une carte faite par des fans, donc que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet, notamment sur Board Game Geek, qui représente des scènes, notamment de l'histoire, qui va remplacer les villes. Et alors, vous avez deux modes de jeu. Vous avez un mode où vous devez essayer le plus possible de coller au déroulement de l'histoire et de passer toutes les scènes. Ou alors, vous pouvez tout simplement y jouer comme une carte classique des aventuriers du rail. Une version évolutive slash legacy. Ok. Reste à faire. Non. Reste à faire. Non. Même réponse. Reste à faire. Ok. Effectivement, elle reste encore à faire pour le moment. Mais on vous mettra le lien vers quelques vidéos que vous avez faites, notamment présentant certains de ces jeux assez marrants. Enfin, je vais pas dire marrants, le dilemme du roi n'est pas marrant dans le thème, mais assez fun, on va dire. Très fun d'ailleurs, Legacy, franchement. Depuis un an, c'est mon style de jeu préféré. Ouais, non, on s'y remet aussi. Moi, il faut que je m'y mette encore. Là, j'ai à peine commencé à ouvrir des enveloppes dans Trek 12, donc ça va venir. On a des jeux à te conseiller pour ça, t'inquiète pas. Ça marche. Une version jeu solo. C'est par des fans. Ouais. Arrête. Faites par des fans, vous deux ouais. Eh bien non, il y a une version officielle qui est sorti il y a à peine un mois ou deux quand on enregistre ce quiz, qui est en fait le défi des locaux. C'est un petit jeu de réflexion avec des challenges. Vous prenez une carte challenge et vous devez disposer les différentes locomotives sur le plateau selon l'ordre qui est noté dessus. A savoir qu'il y a plus de 40 challenges à l'intérieur de la boîte. Mais j'ai une objection. Est-ce que c'est vraiment écrit les aventures du rail dessus? Oui. D'ailleurs, tu as même une version Catan. D'un jeu solo comme ça de réflexion aussi, qui est sorti en même temps. Une version Roll ou Flip and Write. Je dirais non. Non. Et toi, Julien? Et oui. Thomas qui remporte le point. Oui. Oh, égalité à nouveau. Là encore, on pourra mettre votre vidéo de top des Roll and Ride pour pouvoir aiguiller un petit peu les viewers qui ne l'auraient pas encore vu. Il y en aurait d'autres à rajouter, ils changeraient peut-être de ce top. Pourquoi pas, on pourra faire une mise à jour à l'occasion. Une version jeu de cartes. Oui. Oui. Spam Salam. Non, Spam Salam, mais... Je dirais oui aussi. Effectivement, mais ce n'était pas Amsterdam. Amsterdam, j'en parlerai d'ailleurs après ce quiz-là, en parlant des cities. Mais c'était tout simplement les Aventuriers du Rail, le jeu de cartes, qui était apparemment... Alors malheureusement, il n'est plus disponible pour le moment, il était en tirage très limité, mais il s'agit d'un jeu de collection avec quelques aspects de memory. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce jeu, parce qu'il n'y a pas de token wagon, donc voilà, il n'y a pas de token wagon, il n'y a plus d'intérêt, non ? L'essence du jeu, ouais. Une version Grèce antique. Okay. Fan-made. Ça faisait longtemps que fan-made. Hein. Fan-made. Oui, pour les deux. Effectivement, fan-made. Comme pour Alice au Pays des Merveilles, il s'agit d'une carte que vous pouvez télécharger et imprimer. Il y a des règles supplémentaires, ainsi que, ici, des cartes chance, qui vous permettent d'avoir quelques bonus durant la partie. Grèce antique en train. C'est marrant. Salut Socrate. Par contre, Zissi Sparta en TGV. Zissi Sparta. Ça le ferait pas. Et enfin, une version Escape Game. Départager, c'est toujours égalité là. Non. Ok. Je dirais non. Oui. Ça me semble ouf, mais je dis oui. Je dirais non. C'est un fanbase, pareil. Attends, tu dis oui officiel ou fanbase? Oui officiel. Officiel. Oui officiel. Ah, j'ai gagné. Mais oui, mais que c'est un escape game? Si. C'est un escape game. C'est ça. Le lock est un escape game. Quelle remontée.
Mais non. Et c'est le premier scénario de la boîte de Unlock Game Adventure. Et le pitch, c'est vous traversez en train les États-Unis et vous devez déjouer un complot des barons du rail. En 20 ans d'existence, il y en a eu une flopée des versions des aventuriers du rail, et on a à peine effleuré le sujet avec le quiz. On va maintenant s'attarder un petit peu sur une série de spin-off que Days of Wonder met en place depuis 2018. Ce sont les Cities. C'est une version du jeu qui est vraiment condensée, que ce soit au niveau du matériel, des cartes, de la durée des parties, mais aussi au niveau du prix. Ça en fait d'ailleurs une des versions les plus abordables. La première à sortir est la version New York, qui est donc sortie en 2018. Et elle ne propose pas de mettre ces métros de l'enfer qui passent en express juste avant ta destination. Oh, 3 ans qu'on a fait ce voyage et t'es encore là-dessus ? Toujours. Mais plutôt ces fameux taxis jaunes, afin de relier les différents quartiers de Manhattan et de Brooklyn. Au niveau des mécaniques, on est exactement sur le même modèle que les Aventuriers du Rail version USA. C'est-à-dire qu'on va toujours utiliser ces cartes wagons pour pouvoir poser ici les différents taxis afin de relier des destinations. Et on a les mêmes contraintes, que ce soit pour les cases grises, mais aussi les doubles lignes. Maintenant, comme pour les extensions, il y a une petite subtilité de gameplay. Ici, elle se situe en fin de partie, où on peut gagner un point supplémentaire si on a relié des destinations avec justement le symbole numéro 1. Il n'y a pas de quoi vous retourner l'issue de la partie, mais ça peut régler quelques cas d'égalité. Sachez que dans cette version, on est à 17 tokens au lieu des 45 habituels par joueur et joueuse. Et au niveau des destinations, on en a 15 au lieu de 36, ce qui fait que la version est à la fois beaucoup plus courte, mais surtout beaucoup plus punchy. Un an après, en 2019, sort la version Londres. Dans celle-ci, on délaisse les États-Unis des années 60 pour le Londres branché des 70s, et on laisse les taxis pour les fameux bus à l'impérial. Décidément, les clichés ont la vie dure. Pour ce qui est de la petite originalité de gameplay, ici, on a un système de quartier. C'est-à-dire que si vous couvrez toutes les destinations de la même couleur, vous gagnez entre 1 à 5 points selon les chiffres qui sont notés sur les destinations. C'est un ajout un petit peu plus intéressant que pour la version de New York. Avant de passer à la troisième boîte, j'aimerais quand même souligner le travail graphique et d'ambiance qu'il y a sur les différentes versions. En effet, que ce soit au niveau de l'illustration de la boîte, de la règle du jeu sous forme de brochure touristique, ou encore des différents éléments que l'on trouve tout autour du plateau, il y a vraiment un gros travail au niveau de l'ambiance, ce qui apporte un petit plus fort agréable à la partie. Pour la troisième boîte, au lieu de nous amener dans les années 80, les Aventuriers du Rail Amsterdam nous ramènent plutôt au XVIIe siècle, alors que la capitale hollandaise est une plateforme du commerce mondial. Du coup, ce sont des charrettes de marchandises que l'on va devoir placer à travers la ville. La vraie question est donc de savoir si la mécanique de cartes de marchandises qui permet d'avoir des points supplémentaires va venir contrebalancer le thème qui est quand même beaucoup moins sexy que les versions précédentes. Pour cela, je ne sais pas, parce que le jeu est sorti en 2020 et je ne l'ai que très peu vu dans les différentes boutiques. Avec les Cities, Alan Hermour et Days of Wonder visent clairement deux publics. À la fois les nouveaux joueurs qui seraient peut-être un petit peu trop impressionnés par la taille des boîtes de base, mais aussi les habitués qui cherchent un bon moyen de les sortir durant une pause midi ou pour des événements familiaux. Dans les bases, c'est réussi. On a vraiment des versions du jeu qui sont beaucoup plus dynamiques et punchy. Maintenant, comme on l'a vu, selon les versions, l'aspect graphique et les différents ajouts de gameplay changent de qualité. En tout cas, ça reste d'excellentes versions pour les petites bibliothèques afin de les ranger plus facilement. Salut à tous, ici le Quentin du montage. Depuis le tournage de la vidéo, Days of Wonder a annoncé le prochain Cities, il s'agit de San Francisco. Non seulement on va pouvoir développer le réseau de tramway de cette ville durant les années 70, mais en plus, la nouvelle mécanique concerne cette fois-ci des souvenirs qu'il va falloir collecter. Voilà, le jeu devrait arriver sur nos étals pour la fin de l'été, et très honnêtement, s'il n'y a pas sur le plateau une image d'une maison bleue à côté d'un moustachu, je vais être très déçu. Allez, retour à la vidéo. Eh ben bravo messieurs, et donc victoire à l'arraché de Thomas. Ouf. Julien, j'aurais peut-être un petit gage pour toi, sous la forme d'une story Instagram,
qui touchera peut-être aussi un petit peu Thomas, mais je vous en reparle en off, et j'invite plutôt nos viewers à scruter l'Instagram de Jupiter Games dans les jours qui viennent. Et ça marche le jour où cette vidéo sort, alors ça, pourquoi pas, oui. Oui, c'est une très bonne idée, tiens. Merci à toi, en tout cas, le quiz était vraiment très, très intéressant. Il y a des questions, t'as été cherché loin. On a sué. Ah, j'ai creusé, hein, j'ai creusé. J'espère que vous avez aimé. J'espère que les viewers ont aimé aussi. Et puis, je leur dis, je vous dis à tous, à très bientôt. Ouais, à très bientôt, merci. À bientôt. Avec les Cities, Alan Hermour et le chat, ce magnifique Pepo qui adore les meeples de wagon, n'est-ce pas? Mi, il m'y a carrément, non?